Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. On fera, ah, c'est un chap-chap, on fera un sandwich. J'étais là comme ça, monsieur est levé, je suis allé faire le sandwich. Et j'étais filmé en même temps. Et j'ai pris saucisse, saucisson. Je vais découper en tranches. La tomate, concombre, oignon. Ici, on passe à la petite vinaigrette. Ma vinaigrette qui sera composée de mayonnaise, ail, un peu de bonnet rouge, lait concentré non sucré, la moutarde, un peu de vinaigre. De l'huile d'olive. Le sel, du poivre. Vous pouvez rajouter tout ce qui vous plaît, persil, jaune d'œuf. Ce qui était sous la main là que j'ai tiré, puis j'ai remis tout ça donnait vinaigrette là-bas. Et peine là, j'ai pris la mauvaise partie. Je devais couper l'autre face là. Tellement j'avais faim là. Sincèrement, dis-moi, j'aime pas mis de pain là, donc je retire. Je vais dresser. Poser mes saucissons en bas, en dessous. Quand c'est pour vendre, on met juste deux tranches. Mais comme c'est pour moi-même là. C'est pour la vieille maison, j'ai rempli ça comme ça. La peine était lourde comme ça pour même plus se fermer. Puis je rajoute ma vinaigrette. Vous pouvez d'abord rajouter du beurre avant de déposer vos saucissons. Tomates et autres là. Regardez comment ça fait pita 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 pita. Ich. Attends, il m'a fait encore même. Puis les croustillants comme ça craque comme ça quand tu manges avec. On va suivre les résultats de mon pain si tu as aimé. En tout cas, ça te fait ça pour les enfants. Hein. N'oublie pas de liker, de t'abonner aussi. Très bon.